Bonjour tout le monde, ici Do Alex, aujourd'hui nous retrouvons avec Bacan sous le nom de Hugo Cullen et un de ses amis Star Wars sous le nom de Lapidus sur Unturned. Et aujourd'hui nous sommes sur Unturned Life qui a été fait par Rhinoshock si je me trompe pas. C'est ça. Et donc je vais mettre le lien du forum dans la description, donc je vous invite à venir rejoindre le serveur. Donc c'est un serveur RP, faut pas faire de conneries, en tout cas pas comme j'ai fait quand je suis rentré sur le serveur. Bonjour. Et ouais, c'est pas mal des Français qu'il y a là-dessus, et je sais pas s'il y a d'autres Québécois, je n'ai pas croisé pour l'instant, mais tout le monde de ma chaîne YouTube, vous pouvez venir, vous avez juste à bien lire les règles, pas faire de conneries en rentrant sur le serve. Ouais, suivre parce les que règles. Nous rigole pas. Oh, on rigole pas, avec tes lunettes. Généralement, je suis pas méchant comme ça, mais sur le serveur, on a eu des petits problèmes qui font que maintenant, moi, Star Wars et Star Trek ne rigolons plus. Yeah. So, voilà. Ouais, en gros, donc c'est ça. Voilà, on va vous présenter un petit peu. Donc là on est dans la banque, alors là c'est un petit métier de banquier, d'où Alex sera mon acolyte. Pour une petite, je sais pas si on va filmer, mais pour une petite histoire RP que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, vous verrez, ça va être vraiment pas mal. Donc ici, donc vas-y Star Wars, dis-nous un petit peu par rapport à la banque et tout, par rapport à l'économie du serveur par exemple. Alors, l'économie du serveur se fait avec des objets modés, qui sont des billets ainsi que des pièces et des lingots d'or. Alors, et s'il n'y a pas de spawn de ces objets sur la map, il faut absolument venir à la banque et ouvrir un compte pour en avoir. Alors, je vais vous en dropper par terre, normalement on n'a pas le droit de le faire. Je vous, parce que ça va bugger, mais après on peut le récupérer, je crois, en faisant safety ou quoi. Alors, si jamais vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, viens toi que je vais te montrer. Ouais. Vous mettez ça dans un coffre en bois, comme celui-ci. Et vous mettez l'argent dedans. Regarde, là je t'ai mis l'argent dedans. Vas-y, récupère-le pour voir. Ah c'est bon. Voilà, ça, et ça c'est l'argent, d'accord. Donc un lingot vaut 1000 euros, et puis après il y a les billets de 50. Vas-y, repose dedans s'il te plaît. Ouais. Le lingot aussi s'il te plaît. Ouais. Fais pas, commence pas à faire ton manquer. Hein. Je rigole. Donc voilà, donc après voilà, faut vraiment venir à la banque pour. Est-ce qu'ils chantent Ouais, ils sont un peu chelous quand même ces gens. Donc voilà, donc ici c'est la banque, bien sûr les braquages de banque sont autorisés. Il n'y a pas de souci à cela. Donc maintenant je vous propose à toi Alex d'ouvrir ta map avec M. Ouais. Alors vous pouvez voir donc toutes les villes. Donc là on est à Kingston en ce moment même. Kingston qui est la capitale, n'est-ce pas? Ouais, Kensington. Kensington, pardon, excusez-moi. bien sûr, on a le centre de la DIR parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers. Vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez, à part les métiers où il faut être recruté, avec médic, policier et militaire. De toute façon, militaire, c'est moi qui m'en occupe. C'est ça Star Wars. Exact. Après, vous pouvez faire banquier, vous pouvez faire fleuriste, vous pouvez faire, je sais pas moi, vendeur dans un magasin. Vous pouvez faire toutes les choses que vous voulez, c'est pas interdit. Donc, regardez, maintenant, on va un petit peu visiter la map. Alors, du coup, c'est Star Wars qui a modifié la map, et merci à lui, allez-y sortez, et merci à lui parce que sinon, non, venez c'est par là qu'on sort, okay. Parce que sinon on avait encore des loots un petit peu partout, donc savoir ça va toucher la map, et c'est super sympa, allez-y rentre, sortez, hop, voilà, hop venez, donc voilà, donc là on a le cinéma, qui est ici. Donc le cinéma, il y a encore rien dedans parce qu'on a, il y a pas, je sais pas si on peut appeler ça plugin, mais en gros on a rien pour faire genre, on a un écran de cinéma. Bien sûr, tout ce qui est putain, regardez cet Arthur qui s'amuse là, qui fait le prêcheur. Donc voilà, comme je vous dis, vous faites faire tous les métiers, lui le prêcheur de Raptor Jésus, je sais plus quoi là. Et donc voilà, vous pouvez faire mécanicien, vous pouvez faire pompiste, même si c'est pas le truc le plus intéressant, vous pouvez le faire. Tueur en série. Tueur en série, oui. Vous pouvez faire aussi fireman. Pyroman. Ouais, etc. C'est pas mal. Vous pouvez acheter une maison. Quand de toute façon, là, on va faire un petit ménage Star Wars après, parce que c'est ce que je vais te demander avant aussi. Par rapport à tous ceux qui s'achètent des maisons, enfin qui mettent leur porte aux maisons, mais que. Je suis plus grand que toi, je te domine. mais tout ce qui utilise des maisons quoi. Vous pouvez voir derrière là, regarde là où je vise. Là-haut, donc le bâtiment vert, un bâtiment oui. Modé dans lequel on peut pas encore poser de porte, je crois. Comment tu fais Star pour Wars Star Wars, est-ce qu'on peut poser des portes dans le bâtiment vert en face? Non, celui-là non. Mais on peut y monter. Descends-toi, Alex, là, commence pas tes conneries là. Bah, c'est pas une connerie, il y a une auto à garder. On va l'emmener au garage. Ouais, bah, on n'est pas mécanicien, on est banquier, nous, c'est pas notre affaire. Voilà, donc après, vous avez plein de petits métiers à faire, botaniste, tout ça. Tu peux acheter une maison, toi, Alex, ou habiter avec moi, bien sûr, si tu veux, y a pas de souci. Vous pouvez monter votre entreprise, vous pouvez monter votre groupe rebelle, votre groupe mafieux, votre.
Qu'est-ce qu'on peut encore faire, savoir ça? Il y a tellement de possibilités que... Ben, c'est le principe même, on peut faire tout ce qu'on veut, vu que le principe est de reprendre la vie réelle. Voilà, exactement. Les métiers que vous connaissez, vous pouvez les refaire. La vie réelle, alors... bourrée de criminels. Ah, ça viens voir, viens voir. Donc, toi, Alexis, c'est ma baraque, tu vois, au calme. La baraque de Brakam. Ouais, vas-y, rentre. Rentrez. Ça, ça se dit bien. Je vais vous montrer un truc, c'est peut-être pas exclusif du serveur, mais c'est quelque chose je que... Je peux te voler là-dessus. J'ai faim. Vas-y, prends-la. Viens, ensuite, viens. Viens. Donc, on va aller à l'étage. Alors. C'était comme Rhinoshock. La crème glacée, c'était frais. Rhinoshock a rajouté quelque chose d'intéressant. Essaye de sauter par la fenêtre. Saute par la fenêtre. Ah, oui. Oh merde, on peut. Oh, attends, on a un gros fail. Attendez. C'est quoi, c'est... Vas-y, rentre. Rentre. Il y a un seul endroit où il n'y en a pas plus. Si, si, il y a des vitres normalement. Ouais, en gros, non, là, mais il a mis, je n'ai vu tantôt des vitres. Ouais, viens, viens, monte. Monte, 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 monte. Est-ce que là il y en a? Attends. Voilà, regarde, essaye de sauter par ici. Je vais te découper en deux. Ah, tu peux pas, c'est parce qu'il y a des vitres en fait, justement. Bon, ça pour enlever, mais je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a pas mis partout? C'est bizarre, Star Wars. Il faudrait demander quand même à Reno. C'est bizarre, c'est bien. Ça, c'est toi qui les posais. C'est les vitres qu'on pose nous-mêmes, ça. Ah ouais? Ah ouais, faudrait peut-être que j'en mette alors. Donc voilà, il y a des vitres, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de loot un petit peu partout. Merci beaucoup Star Wars. Il y a des loot un petit peu partout, ce qui vous permet de pouvoir trouver du stuff assez facilement quand même. Qu'est-ce qu'on a oublié de présenter Star Wars? Tout le reste. Tout le reste, non, mais on va quand même pas présenter toute la carte. Je veux dire, il y a à part peut-être la military base, il y a rien de bon. Attends, on va aller quand même à la military base, je te TP. Généralement, on n'utilise pas les TP. Ouais, mais là, c'est un cas quand même exceptionnel. Parce qu'on fait la vidéo. Mais généralement, les TP ne sont pas utilisés. Voilà, Star Wars, tu... Voilà. Donc ici, il y a la military base. D'accord. Ici, il y a la military base. Alors, bien sûr, tout ce qui se trouve... Tous les civils qui se trouvent là, dans le périmètre de la military base, seront exécutés. Hein, il n'y a pas... Il n'y a pas moyen qu'on laisse les civils rentrer. Donc c'est ici que, si vous êtes militaire, il faut faire une demande, une candidature sur le forum. C'est moi qui m'en occupe parce que je suis général de l'armée, en dehors d'être banquier. Et là-bas, vous pouvez voir mon chouchou. Alex, monte ici. Monte sur la colline. Et tu verras que derrière, il y a mon petit joujou. Un hélicoptère, c'est mon joujou, mon gars. Il marche? Non, il marche pas, non, t'inquiète même pas. Sinon, ce serait un petit peu con quand même. Mais on a des tanks. On a des tanks. Viens, regarde. Viens voir Alex derrière. Il y a des tanks qui fonctionnent. Tank. Ouais, attends. Slash V. Est-ce que je attends, peux rentrer... Est-ce que tu peux le faire s'il te plaît parce que. Ça va, c'est ce que tu veux faire que attends, si vous voulez, je peux montrer l'endroit de près. Je vais y aller. Vas-y, le temps qu'on fasse spawner le tank parce que. Donc vous pouvez voir. Après voilà, il y a un checkpoint. Crois pas que. Après il y a un checkpoint quoi. Tadou. On fait oh, je suis là dans la tour là. On fait une vidéo de présentation. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Bon, tu nous fais apparaître ce temps ou pas là? Je crois que le mode est installé. Ah d'accord, très bien, merci. Au revoir. Y'a pas de soucis à ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce que les nouveaux véhicules marchent au moins? Attends, slash V 5656. Non, bon bah voilà, il y a des mods qui ont été désinstallés, mais on a les armes modées, donc si la K47 et tout ça. Mais ça, il faudra que vous allez voir un admin et puis que vous voulez échanger des sous contre une arme, tout simplement, parce qu'on est obligé de se les giver celle-là. Voilà, il y a aussi des restaurants un petit peu partout, vous pouvez faire votre propre commerce, vous pouvez aussi faire armurer, ce qui peut être pas mal, ou faire partie de la DIR, tout simplement. Voilà, on a un aéroport, on a la centrale nucléaire qui est à gauche. Je t'invite à ouvrir ta map d'Olex et à regarder au milieu à gauche. Au milieu à gauche, il y a un truc qui s'appelle Poseidon Energy. Est-ce que tu le vois? D'Olex, concentre-toi un petit peu s'il te plaît. Alex, attendez, je crois qu'il est en train de bugger. Alex,
De Alex, tu m'entends? De Alex, tu m'entends? De Alex, tu m'entends? De Alex, sur est-ce que tu m'entends sur test? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu m'entends sur test? Allô? D'où Alex? Ah oui, tu nous entends, mais pourquoi tu parles pas alors? Bon, c'est bizarre. J'avais muté mon micro. Ah le con, par contre arrête de faire une game. Donc voilà, je t'invite à ouvrir ta map d'Alex avec M. Et aller voir Poseidon Energy au milieu à gauche. J'ai tout dit. Ouais. Ah voilà, donc on a un TeamSpeak tout pour nous, tout sera expliqué sur le forum. Voilà, quelque chose d'autre à rajouter les gars. Star Wars. On pourrait parler de plein de choses, mais bon après, ce que tu veux. Bah je sais pas, tu veux parler quoi, dis-moi ce que tu veux parler hein. Après c'est vraiment du RP 100% hein, les gars, si vous venez là pour toute la merde, vous n'avez pas du tout parce que vous serez banni directement quoi. Il y a toujours un administrateur minimum qui joue sur serveur quoi. Ça c'est clair, net et précis. Tu peux faire un accident. T'es relou mec. N'importe quoi. Dis-moi Star Wars, tu voulais parler de quoi encore? Parce que je pense qu'on mais a... on va présenter toute la map si tu veux, après on va passer même temps. Non, bah ça sert à rien de prendre toute la map, après vous avez des fermes, vous pouvez faire fermier, gangster, enfin tout ça quoi. Mais non, mais ils vont explorer par eux-mêmes. Voilà, après ils peuvent aussi explorer par eux-mêmes quoi, c'est, je veux dire, c'est pas des handicapés. Donc voilà, n'hésitez pas à... D'accord, le mec qui rigole même pas. Ouais. Mais si, il y a les militaires là-bas, ils sont plus, ils tout est-ce qu'il est, il est pas bien. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le serveur, toutes les infos seront en description. Du moins, ouais, j'espère. Pas ça, moi. On va tabasser de... Vas-y, on y va. Non. Arrête. Est-ce que c'est merde? Hey, une fleur. On va tabasser. Viens là. Ça sort pas. Dis bonjour à YouTube, là. Dis bonjour à YouTube. Tu vas passer sur ma chaîne. De quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Dis bonjour à YouTube. Tu vas passer sur ma chaîne. C'est cool, hein. T'es vraiment cool, hein. Bonjour. Bon voilà, c'est le bonjour à YouTube. Voilà les gens, cette vidéo de présentation. Cette vidéo de présentation prend fin si vous avez encore d'autres choses à rajouter ou quoi, sinon que les... toutes les informations seront en description. Je le répète, mais venez, c'est super important. Et surtout ayez un pseudo RP. Et tu vois que ça arrête de faire des conneries s'il te plaît parce que je pense que ça va mal aller. Non mais je fais pas de conneries là, je débloque l'auto et pas. Je peux pas. T'as toi à m'intrigue là ce champ là. Hey, what the... voilà. Ah, ça roule tout seul cette affaire. Bon, c'est bon, Dolex, y'a plus rien à présenter, on a présenté le serveur quoi. Ouais, fait que, ben, ce que j'ai à dire, c'est. Disons que je suis au maximum du speed qui est permis sur le serveur. Puis, fait que, ouais. Puis, si vous voulez savoir comment rendre, comment installer les mods, comment mettre la map, puisque vous n'êtes pas capable, ben, Google est votre ami. Puis si vous n'êtes pas capable ou que ça ne vous tente pas parce que vous êtes trop paresseux, écrivez-moi dans les commentaires. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, lien du forum sort dans la description avec les règles sur le forum, comment rentrer, tout est là. Et ce sera vraiment pas compliqué. Donc, n'oubliez pas, c'est RhinoShock qui crée le serveur, une map modée et modifiée depuis. Le contexte est un simple, nous sommes sur l'île du Poisson au Québec, ouais. Voilà, bon fini. Voilà, donc abonnez-vous à Bragam Studio aussi, c'est super important, Arino Choc, allez voir le forum. A plus tout le monde, ciao. Et à ma chaîne, ciao. C'était une vidéo n'importe quoi. Bah, ben, j'ai pas fini de le code, je me suis... Ah merde. Au. Voilà, j'ai...